Et merci. Merci à tous d'avoir été là. Allez, mais. Alors, premier ministre, je dis à ce journée mondiale de la jeunesse pour sortir nos activités. Qui ça dit où? Important jeunesse là pour Haïti. Mais nous-mêmes, c'est ça, les journalistes sur les réseaux sociaux. Expliquez-moi comment nous fonctionnons. Comment nous fonctionnons nous-mêmes? Donc, on parle de fonctionnement. Nous-mêmes, comme journalistes. Comment nous lier à réseau? Comment nous attacher? Comment nous informer la population? C'est à travers quoi qu'on explique? Donc par rapport avec la question que vous posez, je ne connais peut-être si c'est un message ou vous faire passer avec journalistes médias en ligne. Oui. Okay. Donc par exemple, vous-même, vous appartenez à qui média? Moi-même, je travaille pour Mass Media Network depuis Boston. Et donc, vous émettez sur Facebook, sur Twitter, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Ni YouTube, ni Facebook. Et vous avez à peu près combien de monde qui a suivi? Et vous avez télévision. Donc c'est une chaîne de télévision internationale. Une chaîne de télévision internationale. Exactement. Nous, on va faire ça il y a 20 ans. Mais, message, je dis. Je dis avec une nouvelle technologie, une nouvelle source d'information. Mais il faut l'utiliser constructivement. Nous, on va faire une nouvelle là comme si des nouvelles là-bas en Ukraine. Ça qui a passé là, il concerne nous tous. Et nous, c'est nous tous. Il faut être solidaire, surtout le monde qui a des capacités pour influencer ça, mon passé, ça, mon comprendre. Donc, au-delà de nouvelles associations qui vont cliquer, il y a la nécessité pour nous d'unifier la population autour d'un ennemi commun. Et jeunesse là qui a le pouvoir pour faire ça. C'est ça le message. Alors, c'est un bel message que vous voyez avec surtout les médias en ligne, donc c'est très important. Problème médias en ligne à confronter toujours aujourd'hui. C'est non sens que nous avons mettre les médias en ligne de côté. Nous comprenons, il y a des informations qui abaillent, il y a buzz là-dedans. Mais ce n'est pas tout journaliste qui fait buzz dans l'information. Ça qu'on y veut, journaliste émet information, mais blogueur lui-même, il prend information, il prend ça qui est essentiel là, mais il partage. Mais aujourd'hui, on joue une chance. Et pour faire un message à passer, vous un message à nous avec blogueurs et l'autre média en ligne. C'est certain. Je dis à nous, les médias en ligne, c'est l'avenir. Pas de doute sur ça. On a besoin de ces conseils de plus en plus dans la population à joindre l'information. Son force. Mais évidemment, c'est faut faire avec responsabilité. Il faut garder la vérité et l'information pour corriger, pour parler de respect. Parce qu'en pile en pile en pile, le monde parle quoi, ça y est lui dessous ça. Donc, moi, je compte sur moi. Nous promettons plutôt que vite, à mettre en place des structures qui permettent justement que nous puissions vérifier l'information pour que nous ne transmettions l'information par nous. Messieurs, merci beaucoup. Nous avons besoin de tout le monde là. La compagnie est là. Nous avons besoin de tout le monde. Blogueurs. Nous avons besoin de tout le monde de réclamer. OK? D'accord. Merci d'accord. Beaucoup. Merci. Merci. Madame,